السلام عليكم الزرفلاون، بون جور. Les années se suivent et se ressemblent pour ces mamans, ces épouses, ces sœurs d'hommes qui leur avaient été arrachées à leur affection, par ceux-là même censés protéger la société et défendre la loi, ces forces dites de sécurité, qui s'étaient mises au service, non pas d'une bien chimérique république, hélas, mais de malfaiteurs qui avaient pris tout le pays en otage, qui en faisaient ce qu'ils voulaient et qui, après l'avoir pillé, ravagé, avaient laborieusement entrepris d'en enlever les enfants, de les séquestrer, de les torturer, peut-être très vraisemblablement, à Dieu ne plaise, de les assassiner. Une fois encore, avec 2 jours de retard pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais il vaut mieux tard que pas du tout, n'est-ce pas, comme on dit, nous voulons rappeler la mémoire de ces hommes qui ont été enlevés par les forces dites de sécurité, je le répète, de permettre à leur famille de s'exprimer depuis cette tribune, d'en appeler à la solidarité de leur peuple, à celle des opinions publiques internationales. Parce que pour ces familles, tant que ces cas de disparition forcée n'auront pas été élucidés, tant que les criminels qui les ont perpétrés ne les auront pas reconnus, tant que la vérité ne sera pas entièrement connue sur le sort qui a été réservé à ces malheureuses victimes, celles-ci continueront d'être considérées comme vivantes, encore séquestrées dans des lieux tenus secrets par des hors-la-loi qui se servent de la loi pour priver des citoyens de leur liberté et de leur dignité. Nous recevons donc encore une fois des familles de ces Algériens qui ne sont pas des disparus, mais des citoyens qui ont été enlevés, kidnappés, séquestrés, très vraisemblablement torturés, parfois même, je le répète, exécutés, dans des conditions qui devraient, tôt ou tard, conduire à l'arrestation et au jugement de ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes, qui les ont ordonnés ou qui les ont couverts de leur silence ou de leur mensonge. Mais le pire, l'insoutenable, est que nous devons dire, et même que nous devons crier, n'est pas seulement dans l'attitude de la mafiocratie qui tue et torture, mais dans la passivité, dans cette cruelle indifférence de la société algérienne, qui détourne le regard, qui se montre tout à fait désintéressé, voire même agacé parfois, par cette volonté inébranlable. Certains droits de l'hommiste de service disent même l'obstination de ces mères, de ces épouses, de ces sœurs, courage, qui refusent d'oublier les bien-aimés qui ont été ravis à leur affection. Aujourd'hui, le matin d'Algérie. Journée internationale des disparus, le CICR exige plus d'efforts pour élucider leur sort. L'expression. Journée internationale des disparitions forcées, les familles des victimes algériennes demandent la vérité. Par Kerim Eimer. RFI. Disparition forcée. La FEMED lutte contre l'impunité. Par Charlotte Cossé. Aujourd'hui avec nous, Nassera Dutour, porte-parole du collectif CFDA Alger. Madame Fergani, épouse de disparu Constantine.
Madame Sakr, épouse de disparu Constantine. Lamia Beshkhaznazi, épouse de disparu Constantine. Om Aziz, mère de disparu Alger. Wesila Ballatrash, sœur de disparu Constantine. Nassira Dutour, est-ce que Nassira Dutour est avec nous? Pas encore. On me dit que pour le moment, nous n'avons réussi à joindre que Madame Fergani. Madame Fergani, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Madame Fergani. Oui, je suis avec vous, Monsieur Jamal. Ahlan bik, Madame Fergani. Merci d'être avec nous. Merci pour votre courage, merci pour votre volonté, pour votre détermination. Vous êtes toujours là au front à demander que la vérité éclate. Mais qu'y a-t-il de nouveau? Est-ce qu'il y a du neuf? Bien sûr. Nous sommes dans Choukran des Kouya Jamal, Choukran Kanat al-Maghribiya. شكرا للناس المناضلين في حقوق الانسان اللي يدعمونا دائما شكرا للرابطه والاستاذ بوشاشي على المحاضره القيمه اللي قدمها لنا في اليوم العالمي لحقوق الانسان اليوم العالمي للاختطاف القسري يوم 30 اوت يوم معروف عالميا ومعروف عندنا احنا بالاخص عائلات المختطفين لانه اليوم هذا رمز يعتبر رمز لنا احنا رمز لتجديد الذاكرة رمز باش نقولوا لا للنسيان لا لطي الملف ورمز لينا باش نحركوا ضمير الشعب الجزائري أيها الشعب الجزائري أين أنتم من هذه القضية قضيتنا ليست قضية قضيتنا وحدنا احنا عائلات المختطفين راهي قضية إنسانية أول شيء قضية الشعب الجزائري ثانيا لأن القضية ما يقولوش اليوم باللي عهد التسعينات مش راح يعاود يرجع راهو على أبواب عهد التسعينات وراح يكون فيه مختطفين وراح يكون فيه ضحايا وراح يكون فيه أموات راح يكون فيه مساجين وراح تكون عائلات محرومة كيما تحرمنا احنا وإحنا ما نوقفوش معاهم اختاركم ما نوقفوش معانا ما استاندوناش سبحان الله نكونوا واقفين في الوقفة تاعنا ويعديو ناس وش راكم تديروا وش راكم على القضية تاع التسعينات يروحوا تروحوا لدياركم الناس هادو راهم ماتوا خويا لا كان ماتوا رانا قابلين ولا حيين رانا قابلين ميتين حاسبني بهم الدولة يا خويا يجي ويقول لي زوجك توفى وقتلته من أجل هذا الشيء يبرأني ويوري لي ويطفي لي النار اللي راهي شعلة في قلبي أنا زوجي توفى قتلته أو ربي اللي كتب له باش يموت ماشي أنت اللي قتلته بس إيه له كوغاج باش تمد لي الجثه تاع زوجي وتقول لي وين راهو حنا مادام ما بانتناش الحقيقه تاع ازواجنا وتاع داوينا تاع ولادنا وخاوتنا ما راحش نسكتوا وما راحش ندخلوا لبيوتنا لانه عندنا شعار بدون معرفه الحقيقه ما راحش نرجعوا لبيوتنا وما راحش ندخلوا لديارنا بدون معاقبه المجرمين اللي تسبوا في هذه الازمه ما راحش نرجعوا لديارنا ما راحش نسكنوا مدام فرغاني ست انديفيرونس de la société algérienne. C'est des gens qui ne se sentent pas concernés. Il faut dire les choses comme elles sont. Peut-être que ça va secouer les consciences. Pourquoi les gens ont l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, qu'ils sont à l'abri de ce genre de dépassement, qu'eux, il ne leur arrivera jamais quelque chose de pareil, qu'on ne leur arrachera pas leurs époux, leurs enfants, leurs frères, d'entre leurs mains pour aller leur faire on ne sait quoi? Oui. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Parce qu'il y aura un jour où le Kantoukoud Liblet va être Tareka, il y aura un scénario, où 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 il y aura un scénario. Mon mari, c'est un scénario, il y aura un scénario. J'oublierai pas cette nuit, j'oublierai pas cette menace, j'oublierai pas cette inondation اللي صارت لنا سي اون inondation الفقدان ماهوش فقط الانسان اللي تفقد راهي اسره باكملها تحطمت
مدام فرغاني، مدام فرغاني، عاودي احكي للشعب الجزائري كيف خطفوا راجلك هذيك الليله. داكور بون، انا لو 21 جوان 95 ا 22h40 الساعه 11:15 في الليل تسكلت البيت بمدرعات بجيش تاع الديارات العسكر لا سيكوريتي السيفيل الشرطه الدرك صدقني ان ما على باليش كيفاش نوصف لك. دق عليا على 11 تاع الليل نحلوا الباب، يقدم لي نفسه على انه ضابط في الجيش العسكري، ضابط لا سيكوريتي ميليتير، يقول لي مدام مدي لي زوجك. قلت له وعلاه؟ قال لي راه احتاجته بلاده، راه يروح معانا ما كانش ربع ساعه ولا كتر الصباح يولي. من هذيك الليله ما عاودناش شفناه، وان بليس ضربوا ثلاثي لي دو فخيغ دو مون ماري، تعداو عليهم جسديا وضربوهم وغلقوا علينا الباب وداو زوجي وصلوا للافاتور، شافوا هذاك الانسان اللي داير الشكاره، قال له هذا هو، ايبان هزوه وداو. الى حد الساعه الى يومنا الساعة ما مالغري شكينا جرينا دونك اي سون اون تران دو نو بوسي دالي ايور، اون فا ديبوزي نو دوسي ايور، اون فا الي المحاكم الدوليه، باسكو المحاكم الوطنيه ما عطاتنا حتى ما برأتناش، ما عطاتناش دليل واحد. يعتبر واش كان يخدم راجلك مدام؟ سيتي ان انسينيون. زوجي كان استاذ. استاذ، سي إلي تي كوني دون سون كارتي، تو كونستانتين لو كوني. بيان سور دون لو كارتي ما كانش واحد ما يعرفش الشيخ فرغاني، يلقبوه بالشيخ فرغاني، انسان ذو اخلاق عاليه، انسان مربي اجيال، انسان معروف في الحي الشعبي نتاعو، الناس كل تحترمو وتقدرو، له ارهابي وله عصابي وله تاع سلاح، هما الناس تاع سلاح راهم تعاطفوا معاهم، راهم يخدموا معاهم، راهم تلاقاو معاهم في الطاوله، والناس مضاف الابرياء هزوهم وقتلوهم وطيشوهم ولا ما على باليش واش داروا لهم، هما مزريق راه كان في الجبل وراهم جابوه يحكيو معاه. مدام فرغاني، مدام فرغاني، راجلك انا ثاني سمعت به انسان محترم تري تري ريسبكتي تري استيمي دو لا بوبولاسيون، واد الحد الله اعلم سي جو نو مي ترومب، واد الحد وي واد الحد. مو لا كيسيون جو مي بوز تو سي جون دو واد الحد كي لو كوناس كي لو ريسبكت كونت إلا ايديكي لي زونفون إلا لوغ ترانسمي لو سافوار، بوركوا إي نو سون با فو كوتي أجوردي؟ كوتي انا بغي مي باش يجي ويقف معاك ويعيط ويبين روحونا، سي دي جون خوافين باسكو جو دي دي جون يخافوا الناس با يطلع معايا الفوق وين راني ندير الوقفه ويعيط ويقول لي بيغي ستوم ولا نعتونا الحقيقه تاع هذا الانسان رانا نعرفوه راهو كان جارنا وكان استاذ وكان قرانا، نو اينو با لو كوراج. حنا الشعب الجزائري يعني يسامحني في هذه الكلمه ما عندهمش الشجاعه، الشجاعة تنحات لهم في التسعينات، صدقني الشجاعة تنحات في التسعينات، وراهم راحوا الناس تاع الصح، الناس الأبرياء الرجالة الشجعان، صدقني راحت الشجاعة معاهم. غيستي افيك نو، مدام فرغاني، غيستي افيك نو، جاكوي أ بريزون أم عزيز كو جو رومارسي دافواغ أونكور أون فوا أكسبتي نوتر إنفيتاسيون، مرحبا بك أم عزيز. ألو؟ ألو أم عزيز، ميرسي. ميرسي. الو الو اون فوز ايكوت ام عزيز، مرحبا بك، اون فوز ايكوت مدام عزيز. الله يسلمك، ميرسي مسيو بنشنوف بوغ لانفيتاسيون، جو فو رومارسي. سي نو كي فو رومارسيون مدام، سي نو كي فو رومارسيون مدام، نو فو رومارسيون بوغ فوتر كوراج، نو فو رومارسيون بوغ فوتر تيناسيتي، ربي ان شاء الله يكثر الرجال اللي كيما النساء اللي راكم انتوما واقفين elle par devoir de mémoire envers les êtres chers qui vous ont été arrachés. Nous ne vous remercierons jamais assez. Sarf bika madame, on sarf peut-être qu'il y aura معنا اليوم. Oum Aziz, est-ce qu'il y a du nouveau? Ça fait maintenant tellement d'années que vous êtes en train de vous battre pour que la vérité soit faite sur l'enlèvement de votre enfant. Oum Aziz qui était, je le rappelle, un journaliste. Oum Aziz. Allô. Ana sma'a fik Oum Aziz. Tfadli. Je vous entends très mal monsieur Benchennouf. Oum Aziz, je vous disais vous êtes avec nous, vous m'entendez là? Oui. Donc nous vous remercions pour le combat que vous menez
J'ai rappelé que votre enfant qui a été arraché d'entre vos mains était un journaliste et que depuis, vous ne l'avez plus revu. Oui, oui. Effectivement, effectivement, comme vous le dites, j'ai un retour de voix, Monsieur Benchenouf, mais... Mais nous, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Vous pouvez vous exprimer. Très bien. Très bien. Alors, je disais, malheureusement, mon fils était un journaliste qui travaillait pour un journal arabophone, l'Al-MCSI, et les années 97, des gens habillés en civil qui sont venus chez moi à minuit lors du couvre-feu et qui ils ont frappé à la porte très fort. Ils étaient armés et ouvrez. Le père a dit qui c'est. Ils ont dit ouvrez, c'est la police. Donc nous, on n'a rien à cacher, on n'avait rien de quoi avoir peur. Automatiquement, on a ouvert, mon mari a ouvert la porte. Dès qu'il a ouvert la porte, moi j'étais juste derrière lui. On s'est retrouvés en face de gens armés, bien costumés, bien cravatés, je dis bien, des gens bien habillés, avec des armes. Vous savez, bon, les pistolets, je les connais, je les vois dans les films westerns. Mais l'arme dont je n'ai jamais vu, c'était une arme comme une mitrailleuse, mais petite. Uzi, c'est un Uzi israélien. Un infrarouge. Oui, c'est un Uzi israélien. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Voilà, exactement. Ouais. Dans les reportages et les informations, j'ai vu ces armes. Alors, ils lui ont dit à mon mari, reculez en arrière, levez les mains. Moi, j'ai commencé à dire, là, il a Allah, Mohamed Atollah. Je pensais qu'ils allaient nous mitrailler. Dès que moi, ils m'ont entendu crier et tout, tout de suite, ils m'ont poussé parce que juste à l'entrée, vous avez le salon qui est à gauche. Donc, ils m'ont poussé vers le salon, ils ont bloqué la porte. Et il n'y avait que mon mari. Il y avait ma fille qui s'est réveillée avec les cris. Il disait, qui c'est Aziz? Comme ça. Donc, il leur a dit, c'est mon fils. Et tout de suite, mon fils il s'est réveillé, il était en pyjama et tricot de peau, c'était le mois d'avril. Il faisait chaud. Donc, il lui a dit, allez, viens nous suivre. Il leur a dit, attendez, je vais ramener mes papiers. Il avait le truc de journaliste, la carte. Il avait tout, sa carte d'identité et tout. Il est parti vers la salle de bain parce qu'il y avait sa veste derrière la porte. Et de là, il y a quelqu'un qui l'a suivi. Ils l'ont pas touché. Un cheveu, ils l'ont pas touché. Ils nous ont pas touché, je ne mens pas. Ils nous ont pas fait de ni cassé, ni insulte. Vous savez, ça s'est passé. C'était comme un cauchemar, un rêve. En une fraction de seconde. Ensuite, quand il est revenu vers la porte, il y avait toujours le civil qui le suivait. Il s'est abaissé comme ça pour prendre ses claquettes. Il a retiré comme ça par l'arrière, par le cou. Et ils sont partis, et depuis ce jour, je n'ai plus revu mon fils. Bien sûr, il y avait quelqu'un du groupe qui était monté à la maison, je l'ai entendu dire, parler à quelqu'un qui était sûrement dans la cage. Il lui a dit, Ya Ahmed, je me rappelle comme aujourd'hui, Ya Ahmed, sors ton mobile, comme ça. Et ça s'est passé tellement vite, moi j'ai commencé à crier, je suis tombée dans les vapes. Après, quand je me suis réveillée, je suis venue directement vers les volets pour ouvrir. Du côté du salon, il n'y avait rien du tout au parking. J'ai ouvert par là, je n'ai vu que l'arrière d'une fourgonnette blanche qui montait. Voilà. Et depuis ce jour, je n'ai plus revu mon fils. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit, ils vous ont dit qu'ils ne l'ont pas enlevé, que ce n'est pas eux qui l'ont enlevé? Oui, le plus grave de tout ça, monsieur Benchenouf, c'est que le lendemain matin, dès que le jour s'est levé, je suis montée au commissariat, à la BNPJ de Vouzeria, parce que moi j'habite Chevalet. Ensuite, je suis descendue chez Zagbara. Alors là, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Moi, j'étais comme une folle, je pleurais, toute la nuit, je fais que pleurer.
J'ai été chez lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon, moi, je suis rentrée, je lui ai dit, je veux voir M. Barbara. Voilà, il y a des gens qui sont venus chez moi, qui ont enlevé mon fils. Il m'a dit, qui? Je lui ai dit, c'est des gens armés, c'est le DRS, parce que par la suite, j'ai su que c'était des gens du DRS. Il m'a dit, votre fils, regardez les questions qu'il m'a posées, hein. Votre fils, est-ce qu'il met le panis? Votre fils, est-ce qu'il a une barbe? Votre fils, est-ce qu'il va à la mosquée? Vous savez, moi, je suis restée comme ça, hébétée. Je lui ai dit, mais monsieur, nous sommes des musulmans. Son père, il pratique la prière, moi aussi. Le vendredi, il va à la mosquée. Qu'est-ce que c'est que ces questions que vous me posez? Je crois que je suis dans un commissariat, pas à l'OMDH. Oui. Voilà, ensuite, je suis défendue au journal. Quand mon fils travaillait au journal, l'ALMCIAC, j'ai été au journal, j'ai vu son directeur. Et depuis ce jour-là, la cabale a commencé. Voilà. Et quand j'ai écrit, j'ai saisi, vous savez, du président de la République, la médiature, l'intérieur, la justice, le tribunal militaire, je n'ai laissé aucune institution nationale. Mes réponses, c'était « Bacht de Don Djedoua ». Moi, quand je fais la déclaration de ce qui s'est passé, moi, j'ai dit que c'était des personnes en civil armée, mais j'ai cité le DRS parce que j'avais des gens qui m'ont ramené. Le capitaine qui a procédé à l'enlèvement de mon fils, Gaboulé, M. Benchenouf, c'est le bar. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On vous entend, madame. Voilà. Madame Oumaziz. Quand j'ai reçu la réponse de l'eau. Pardon, quand j'ai reçu la réponse de l'ONDH, vous savez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oui. C'est un acte terroriste. Ah, c'est-à-dire qu'il a été enlevé par les terroristes. Voilà. Des terroristes qui ont des armes Uzi israéliens ou Scorpio et qui viennent à minuit costumés. À l'aise, doucement, qui enlève des gens. Lors du couvre-feu. Au milieu d'Alger. Oui. Moi, j'habite, vous savez, à Chevalet. J'ai derrière moi la caserne de Blinsouf. J'ai en face de moi Château Neuf. Le fameux Château Neuf où les gens sont torturés à mort. Donc, vous voyez un peu. Oui. Madame Oumaziz. Allô. Madame Oumaziz. Maintenant, oui? Ça fait tellement d'années que vous êtes en train de vous battre avec courage, avec détermination. Mais pour vous dire la vérité, vous êtes seul. Vous êtes en train de vous battre seul. Vous, quelques mamans, quelques épouses, quelques sœurs, dans une société qui est complètement indifférente, qui se montre même parfois agacée par tant d'obstination, comme le dit Zagbara justement. Et Rachid et le fameux Farouk Santeni. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Oumaziz, de cette indifférence? Allô, Monsieur Benchenouf, vous savez, je vous entends très très mal. Madame Oumaziz, nous on vous entend très bien. J'aimerais que vous me parliez de cette indifférence. J'ai entendu votre question. Oui. L'indifférence. De vos compatriotes. Eh bien oui. Malheureusement, oui, j'arrive à cette question. Oui. On vous écoute. Allô? On vous écoute. Vous savez, M. Benjelouf, oui. Il y a un proverbe en arabe qui dit « Yahf sahbik bin muta ». Vous savez? Quand il y a un proverbe qui dit de Zimia, donc, moi, à travers votre chaîne, j'interpelle les Algériens et Algériennes, les personnalités politiques, les parlementaires, les familles qui, en ce moment, vivent bien entourées de leurs enfants. Donc, qui est arrivé à nous? Ayo, le chab le Jazaïri. Ayo, le mouakinin ou le mouakinat, ou da l'idata, umma ou t'nadikum. Choupo, regardez, vous savez que nous, on n'a jamais pensé
maman. Mais maintenant que nous, on est en train de souffrir par rapport aux disparitions de nos enfants. Donc moi je vous dirais, يشيع بالجزائري اللي صرع لنا يقدر يصرع لولادكم رانا في وقت ما يرحمش والوقت راه صعيب بالبزاف دونك فوني فوني ريستي سوليدير افيك لي فامي الو وي وي اون فوز ايكوت مدام ام عزيز اون فوز ايكوت اون فوز ايكوت مدام انا نسمع فيك جو بونسي كون ا ايتي كوبي دونك جو ديزي موا جانتربيل tous les Algériens et les Algériennes, toutes les personnalités politiques, les partis politiques, la chérie en a envie de connaître Hamla ou là, mais il faut que l'on mette le Mouhtatatin. Mais le Mouhtatatin, en haut, un doux, Shrinsna. Et nous, les mamans, on est dans la rue, on court sans arrêt, été, hiver, automne, toutes les saisons. Vous comprenez? Oui. Donc nous, on veut que le peuple algérien يوقف معانا. Alors ouais, le peuple algérien يوقف معانا. خاطر انا في وقت ما يرحمش وصرا لولادنا يقدر يصرا لولادكم. En plus nous, les familles de d'enlever, moi j'aime pas le mot disparu. Les familles d'enlever, on vous dit que nous le combat qu'on est en train de mener, c'est pour nos enfants et pour la génération future. Pour que ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas à nos petits-enfants et au peuple algérien. Donc, venez et soyez solidaires avec nous, Hagda, pour que ce pouvoir, moi je dirais, Lyon, je suis très en colère, ce pouvoir assassin, ce pouvoir mafieux, pour que nous voulons la vérité sur le sort de nos enfants. On ne demande pas la ligne NS, on demande la vérité. Nous voulons connaître la vérité sur le sort de nos enfants. Nous sommes des musulmans. Même nous, le Qadar, ou le Qadar, Rabbi, kulch ala balo, wa hna muslimin. Au moins, dites-nous la vérité. Restez avec nous, restez avec nous, Om Aziz. Restez avec nous. J'accueille à présent Nasser Aditour, qui devait être avec nous en Skype. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Nasser Aditour est donc avec nous au téléphone. Merci, Nasser Aditour, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Oui, malheureusement, la connexion est très mauvaise, donc on n'arrive pas à... Oui, ça arrive souvent. En Algérie, la connectivité est toujours mauvaise. Nasser Aditour, vous êtes avec nous aujourd'hui pour la première fois, contrairement à nos autres invités qui sont avec nous à chaque fois, et dont c'est devenu quasiment l'émission. Elles sont chez elles dans cette émission, où elles s'expriment à chaque fois que c'est possible. J'aimerais vous poser une question, Nasser Aditour, avant de nous raconter l'histoire de votre enfant. Cette indifférence de nos compatriotes, cette indifférence de notre compatriote qui ne vous épaule pas, qui ne vous soutient pas, qui ne vient pas manifester avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un constat qu'on fait, hein. Mais bon, pour dire franchement, nous sommes quand même revenus de loin. Hein. Je me souviens d'une époque où, dans les années 90, quand on parlait de disparus, on ne parlait pas de disparus. On les chuchotait, on les disait en silence. Nous étions considérés comme des pestiférés, les gens avaient peur. Je pense qu'aujourd'hui, cette peur est restée encore dans l'esprit des gens. C'est pas dire s'il a disparu, c'est qu'il a fait quelque chose. Et c'était devenu normal pour tout le monde. Quoi. C'est ce qui m'a frappé, moi. C'est la première des choses qui m'a frappé, moi, c'est là où je viens de mon fils, malheureusement, comme toutes les mamans, mon fils a disparu le 30 janvier 1997, et comme toutes les mamans, je suis partie à sa recherche, j'ai sillonné l'Algérie, j'ai cherché partout. Madame Nasser Aditour, parlez-nous un peu des circonstances de l'enlèvement de votre fils. Mon fils, moi, c'est toujours difficile d'en parler. Donc, mon fils a été arrêté dans la rue, enfin, dans la rue en bas de l'immeuble où il habitait chez ma mère à Barakine, une banlieue d'Alger. Il était debout, il attendait, c'était le ramadan. Enfin, il est parti à jeûne. Il attendait ses copains pour aller
pour aller changer des cassettes vidéo. Il avait loué des films vidéo pendant la semaine. Apparemment, il louait une fois par semaine des films vidéo pour passer la soirée du Ramadan. Et il s'apprêtait à aller les changer. Il attendait ses copains en bas d'immeuble qui étaient partis, comme lui-même aussi, remonter à l'appartement pour chercher leur pièce d'identité, parce qu'à l'époque, personne, surtout les jeunes, surtout les jeunes garçons, ne circulaient pas sans pièce d'identité. Ça m'a empêché qu'ils avaient tous leur pièce d'identité sur eux, ça m'a empêché qu'on ne les a jamais retrouvés, et qu'il y a un cimetière à Alger, dans d'autres endroits aussi, où il y a des carrés qui s'appellent les carrés sous X, des tombes inconnues, des tombes sous X. Alors que tous les tombes ne sortaient jamais de chez eux dans leur pièce d'identité. Donc voilà, c'est une rafle, c'est une femme qui l'a arrêtée, c'est une Wissane, des personnes en civil qui sont descendues, l'ont raflé vite, et ça s'est passé très vite. Et depuis, voilà, plus aucune nouvelle. Depuis maintenant, je sais même plus, je n'ose même plus compter, ça fait bizarre, quoi, de dire 17 ans, 18 ans. Et vous continuez à vous battre Vous continuez à vous battre, à alerter les opinions publiques, y compris opinion publique internationale? Opinion publique internationale. Tous les ans, je dépose une plainte auprès du procureur. J'ai reçu des non-lieux de qui fait où je dis, ah ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je continue à déposer des plaintes. J'ai déposé des plaintes déjà l'année de la disparition de mon fils au groupe travail sur la disparition forcée des Nations Unies, qui m'ont répondu, après les autorités algériennes ne m'ont jamais répondu, à part le non-lieu émanant de la justice. Bien sûr que je continue à chercher. De temps en temps, ça me reprend et je me remets à chercher mon fils. Au moins à rechercher les personnes qui étaient présentes au commissariat de Baraki à l'époque, les officiers de police que je suppose être les responsables de la disparition de mon fils. En fait, à l'époque, c'est les mots qui avaient circulé. Bien que j'ai vu et revu plusieurs fois, ils ont toujours nié, mais je continue à croire que ce sont à l'origine de l'arrestation de mon fils. Puisqu'après, j'ai eu l'information qu'il était resté détenu au commissariat de Baraki pendant un mois. La personne qui m'avait donné l'information en me disant qu'il était là et qu'il fallait que laquelle on pouvait faire Arad, j'avais des épaules assez larges, il fallait que je fasse vite, que je devais faire vite de le sortir de là, sinon ils allaient l'emmener, sinon la sécurité militaire viendra le chercher la semaine prochaine et où je ne le retrouverai plus jamais. Et voilà. Et je me suis dit comment est-ce que je peux ne plus retrouver jamais retrouver mon fils. Pour moi, ça dépassait l'entendement. C'est pas possible. Moi, je peux pas ne pas retrouver mon fils. J'étais persuadée d'aller le retrouver. Et je n'ai pas retrouvé. Voilà. Restez avec Madame Nassera Dutour. Restez avec nous. Madame Lamia Bash Khaznaji, merci d'être avec nous. Ah. Nous n'avons pas pu la joindre. Madame Wassila Ballatrach, merci d'être avec nous, Wassila. Merci à vous, Sidi Jamaldine, de nous inviter à chaque fois. Merci, c'est votre émission, vous le savez très bien, Wassila. Je voulais vous demander, encore une fois, encore une année, finalement, cette indifférence, c'est la même question, tu es en train... Ah, nous l'avons perdu, Wassila. Nous l'avons perdue. Nous allons essayer de la retrouver. Je reviens à Madame Fergani. Madame Fergani. Oui, allô. Madame Fergani, je vais faire un dernier tour de micro. Quels sont vos espoirs maintenant? Quel est votre espoir? Et quel va être... quels vont être vos projets d'avenir? Est-ce que vous allez continuer à vous battre? Est-ce que vous pensez qu'il faille continuer à se battre en Algérie où c'est l'indifférence, où c'est quasiment le huis clos, personne ne vous entend? Ou est-ce que vous pensez internationaliser cette histoire? Oui, monsieur Jana, je suis avec vous. Bon, en ce qui concerne, je veux dire en arabe, ça bande des kalima. Oui, tfadli, je vous en prie. Monsieur Marwan Azdi, n'goulou, aoud hisabatek, ou aoud raj damirak.
لانه قضيه المخطوفين ما تغلقتش والملفات نتاعنا راهي مش كيما راه يقول هو 3800 راهي 18000 ملف موثقه ومدروسه ملف وراه القضيه ماشي حبس التعويضات اللي راهم يقولوا تعويضات احنا راهي كانت اجور مجمده واعيدت لاصحابها اجور مجمده واعيدت لاصحابها في كونسيرن مواصلة النضال تاعنا ما راحش نحبسوا النضال تاعنا وما راحش يتوقف نضالنا الا اذا عرفنا الحقيقة وقدمنا الناس هادو للمحاكم وتعاقبوا على الاجرام اللي قاموا به. ثانيا اذا طرحتي سؤال اذا راح تبقى قضيتنا في الداخل اذا تلقينا منهم مساعدات واعترفوا بالحقائق رانا راح تبقى قضيتنا هنا. إذا كانت الأدوات مخلوقة في وجوهنا موجودة في وجوهنا رانا مضطرين للخارج وناسيوناليزي ندخل القضية أنا راح تخرج للخارج وراح نمشيو بها حتى ولو إلى المريخ إذا اضطررنا نروحوا للمريخ نروحوا للمريخ. مدام فرقاني مدام فرقاني on va faire un rêve ensemble, on va rêver ensemble. Imaginez demain la prochaine manifestation que vous allez tenir, là où vous la tenez habituellement, vous allez vous retrouver entouré de dizaines de milliers de vos compatriotes. Imaginez un instant que ça puisse arriver. Inch'Allah, espérons que le peuple jazayri ait un âme vivante. Je suis sûr que les Jazayriens ont un âme vivante. Ils vont se demander, ils vont se sentir avec nous. Ils n'ont pas le courage de venir et de venir avec nous. Inch'Allah, barki ya Rabbi, le nida sa'i et le salam et le khamis, ils vont se sentir avec nous. ويجي ولو مرة في الأسبوع يجيوا يقفوا معنا نص ساعة. مدام أعطينا الخميس هذا أعطينا رونديفو أعطينا موعد واش من نهار وين واش من وقت بالضبط. خويا جمال موعدنا كل خميس قدام الكابيني جوالي en face du cabinet du wali chaque jeudi رانا تما نطالبوا بمعرفة الحقيقة والعدالة هذا هو مطلبنا وهذا هو المكان تاعنا المعروف ما يخص مدينة قسنطينة. الكابيني ديوالي تاع قسنطينة كل خميس. أم سمعوك إن شاء الله نتمناو يكونوا سمعوك بقلبهم. سمعوك ب الشيخ بوبكر والجيران الشيخ بوبكر وأهله وأحبابه ولو مرة يجيو يبينوا روحهم قدام الكابيني ديوالي. إن شاء الله. اقعدي معنا مدام لميا باش خزنازي. وسيلة بلطرش كو نو زافون غيوسي أ غوتخوفي. وسيلة أهلا بك من جديد. ميرسي. Encore une fois. Merci à vous, c'est jamais. J'espère qu'on ne va pas vous perdre, Wassila. Ben oui, j'espère aussi. Wassila, tant d'années, vous vous battez pour votre frère qui a été enlevé. D'abord, essayez de nous rappeler les circonstances de son enlèvement. Wallah, c'est un peu difficile de revenir sur les circonstances, mais je voudrais juste m'adresser aux personnes qui sont venues un certain 12 mars 1995 à la maison de Balatrach Rabah pour enlever son fils Faisal. Je le rappelle que lorsqu'ils ont frappé à la porte et que lorsque Rabah Balatrach a ouvert sa porte, il leur a demandé d'entrer. Ils lui ont demandé de sortir. Ils ont exigé que toute la famille sorte de son domicile pour faire je sais quoi. En tout cas, Balatrach, sa réponse était claire. Si les colons français ont refusé, si les colons français ne m'ont pas fait sortir de ma maison, ce n'est pas vous qui allez le faire. Et il leur a demandé d'entrer, ils n'ont pas voulu entrer, mon père avait fermé la porte, puis il a ouvert une deuxième fois la porte en leur disant « Adkhulu alaykum aman Allah ». Ils sont entrés, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé, ils ont pris un jeune de 19 ans qui devait passer son bac cette année-là, ils l'ont pris et depuis on ne l'a plus revu. Les scènes, je ne vais pas parler pour dire que nous avons pleuré, sa maman a pleuré, son père est tombé malade, que sa maman souffre toujours, que son père est parti sans avoir un grain de vérité, parce que tout simplement c'est le vécu de toutes les familles de disparus, que ce soit ici à Constantine ou dans tout le pays, les milliers de familles de disparus ont la même douleur, ont la même peine. Par contre, je voudrais revenir sur ce que vous veniez de dire tout à l'heure sur l'importance de l'appui de la population. Cet appui, nous le cherchons, mais on ne leur en veut pas non plus. Il ne faut pas aussi les en vouloir parce qu'ils ont subi un matraquage psychologique énorme. La population a peur.
mais tout ce que nous souhaitons, qu'elle se réveille. Réveillez-vous, réveillez-vous, le danger arrive encore une fois. Nous avons subi ça dans les années 90, qui dit que vous n'allez pas le subir maintenant. Soyez avec nous pour empêcher cette mafia, pour empêcher ces criminels de jouer une deuxième fois avec le destin de vos enfants. Car quand il y a guerre entre clans, c'est toujours le peuple qui paye, si jamais. Oui, c'est bien vrai, malheureusement. Mais sinon, Wassila, vous n'avez jamais été découragée de vous retrouver à chaque fois toute seule, quelques sœurs, quelques mamans, quelques épouses, en train de crier, de hurler dans l'indifférence, la presque totale, j'allais dire? Oui, cette différence parfois nous décourage, mais si jamais, face à de vieilles femmes, surtout des vieilles femmes qui viennent de bonne heure. Le sit-in à Constantine débute à partir de 9h, 9h30, mais à 8h, ces vieilles sont là, avec leur maladie, avec leur faiblesse, pour réclamer vérité sur le sort de leurs enfants. Donc moi qui est encore jeune, je n'ai pas le droit de désespérer ou de baisser bras. Je suis obligée de rester debout pour ces vieilles, justement. Aussi, je reviens à ce qu'a dit ma chère sœur, Madame Fergani, par rapport à l'internationalisation des dossiers. En fait, la CNFD, la Coordination Nationale des Familles des Disparus, a déposé déjà des dossiers auprès de deux organisations, en l'occurrence El Karama à Genève et également Trial, qui est aussi à Genève, pour plusieurs cas. Nous l'avons fait, si jamais je précise, je tiens à préciser ça, avec nos propres moyens, c'est-à-dire via Internet et avec l'aide des avocats. Nous n'avons fait appel à aucun bailleur de fonds, à aucune organisation malsaine ou que nous ne connaissons pas. Donc, nous avons travaillé avec nos propres moyens pour justement que la mémoire de nos enfants, de nos êtres chers, ne soit pas touchée d'un grain de quoi que ce soit ou pour que nous ne soyons pas traités par des mots ou par de quelque chose que ce soit. Restez avec nous, Wassila. Madame Sakher, un dernier mot, je vais faire un dernier tour de micro. Si vous avez un appel à lancer, un vœu à exprimer. Meshmaana, Madame Sakher. Madame Lamia Bachreznaji. Meshmaana, on l'a perdu. Madame Aziz. Si vous avez un appel à lancer, un vœu exprimé. Je vais faire un dernier tour de micro. Vous avez un appel à lancer, un vœu exprimé. Il y a un retour, il y a un problème de son. Je suis en train de m'écouter ce que je disais. Madame Aziz, vous êtes avec nous? Madame Aziz. Allô? Madame Aziz. Je suis toujours là, oui. On vous écoute. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Si vous avez. Il y a un retour, je crois, qu'il faut baisser le son du téléviseur. Si vous avez. Oui, j'ai baissé, oui. Très bien. Donc, si vous avez un appel à lancer, un vœu à exprimer, quelque chose à dire. Oui. Monsieur Béchounouf, je voudrais dire que, premièrement, je lance un message aux autorités algériennes, à commencer par le sommet jusqu'à la base. Je dirais que nous, les mamans, on est toujours là et on y sera toujours, sauf si le bon Dieu, on ne fera plus partie de ce monde. Nous ne baisserons pas les bras jusqu'à la connaissance de la vérité et de la justice. Et un deuxième appel pour les Algériens et les Algériennes, venez très nombreux avec nous, montrez-nous que vous êtes sensibles à notre drame, parce que ça c'est un drame, que vous êtes sensibles à notre drame, et venez, soyez très nombreux avec nous pour nous mettre en face de ce pouvoir et pour connaître la vérité sur le sort de nos chers enfants, pères et maris et sœurs, et pour que ce qui est arrivé n'arrivera plus jamais. Et nous sommes toujours là, nous ne baisserons pas les bras jusqu'à la connaissance de la vérité et de la justice.
et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Oumaziz. Une petite précision. Je demande à vous toutes, à tous les parents, toutes les familles des disparus, de nous faire parvenir les journées et les horaires des sit-in qu'ils organisent chaque semaine dans leurs villes respectives, à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, au centre du pays. Faites-nous parvenir les endroits où se tiennent ces sit-in, ces rassemblements du courage et de la dignité, de l'amour aussi, et les horaires. Et nous nous chargerons, je me chargerai personnellement dans mes émissions, de les transmettre à tous nos compatriotes pour qu'ils essayent, chacun comme il pourra, de vous soutenir et d'être avec vous. Merci beaucoup. Sinon, je reviens à Madame Nassera Dutour. Nous arrivons vers la fin de l'émission, donc si vous avez un appel à lancer, quelque chose à dire. Madame Nassera Dutour. Je suis là. Oui, allô? Je vous en prie. Je vous écoute. Je suis là, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Non, je disais que je pense que les appels ont bien été lancés. C'était clair que le message normalement le message est clair, donc il devrait passer. Ce que je voulais dire, ce que je voudrais rajouter aussi, parce que là, j'avais commencé à parler de la solidarité nationale, mais aujourd'hui, nous avons... je disais que le regard a quand même, il faut le dire, quoi, que le regard a quand même changé vis-à-vis de nous, même si on n'a pas une centaine de personnes qui viennent nous soutenir sur le mercredi, c'est quand même les gens s'arrêtent et nous saluent et nous apportent de l'eau et nous demandent ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on attend, pourquoi on est là. Vous voyez, ils s'arrêtent tous les mercredis, ils klaxonnent, ils nous font des signes d'encouragement. Donc il y a quand même ce regard qui a changé vis-à-vis de nous. Et voilà, aussi dans nos rassemblements, nous avons aussi gagné la solidarité de la jeunesse. Les jeunes sont très sensibles à la question. Ce dimanche dernier, le 30 août, pour la Journée internationale des disparus, nous avions quand même des jeunes de la section jeunes d'Amnesty International. Nous avons eu avec nous des jeunes d'Orage, c'est l'association qui s'appelle Rassemblement Action Jeunesse. Nous avons eu la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Nous avons eu quand même pas mal de personnes qui sont venues nous soutenir. Donc, c'est pas tout à fait négatif. Donc, c'est un long combat, c'est clair, ça a été très long. Mais aujourd'hui, on peut compter quand même sur au moins sur cette jeunesse et même des personnes beaucoup plus âgées qui nous soutiennent. Donc, c'est pas suffisant, c'est jamais suffisant. Mais pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'on se sent seul? Moi, sincèrement, j'ai reçu des menaces de mort à plusieurs reprises, et notamment en 2005, quand je menais campagne contre la charte pour le titre, pour la vérité et la réconciliation nationale. Ça a été très, très, très fort. La pression qu'ils nous avaient mis à l'époque, ça a été très, très fort. Des menaces, et en passant toujours par ma mère, la pauvre, qui a fini par faire des signes d'épilepsie tellement elle avait traumatisé en disant « on va tuer ta fille, on va brûler le bureau, on va brûler le dossier, on va s'apprendre à ta personne ». C'était continu sans cesse. Et je ne me suis jamais sentie seule. Il y avait toujours les mamans du disparu qui étaient là avec moi. Nous sommes une famille. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nassera Dutour, restez avec nous. Wassila Ballatrash, le mot de la fin va vous revenir, puisqu'on arrive vers la fin de l'émission. Dites-moi une question. Pourquoi toutes les familles des disparus forcés, de ceux qui ont été enlevés, parce que Aziz a raison de dire, il ne faut pas dire disparus, ils ont été enlevés. Pourquoi vous ne vous mettez pas tous d'accord pour organiser une manifestation nationale où tout le monde sera présent? Nous avons déjà fait ça, c'est Jamel. Yani, auparavant, nous avons fait ça, mais je crois que ça va se dessiner. Peut-être qu'on va organiser ça si Allah nous prête vie et l'occasion se présente. Pourquoi pas le mois de septembre avec la promulgation, la date de la célébration de la promulgation de la charte pour la paix et la réconciliation. Pourquoi pas, mais pour faire ça, il faut aussi beaucoup de soutien. Et on ne veut pas justement être seul dans pareille manifestation. Un dernier mot, un appel, Wassila. Un appel. L'appel que je vais faire, c'est au peuple algérien, c'est le Chabna, l'Ouledna. Soyez vigilants.
les jours sont difficiles que nous passons, donc soyez autour de nous, soyez autour de nous, apprenez de notre combat, apprenez de notre force, apprenez à vous défendre, apprenez à dire non à cette mafia, à ces généraux criminels qui sont actuellement en train de jouer avec l'avenir de notre pays, avec l'avenir de nos enfants, avec votre avenir. Donc soyez debout, soyez courageux, n'ayez pas peur, on ne meurt qu'une seule fois, et on ne meurt que lorsque le bon Dieu le voudra, c'est pas eux qui vont décider de notre mort. Donc soyez courageux, soyez vigilants, et prêtez-nous attention, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer notre combat. Wassila Ballatrach, merci infiniment, comme je remercie Nassira Dutour, Madame Fergani, Madame Saker, Madame Lamia Bachkhaznaji, Madame Oum Aziz, même celles que nous n'avons pas pu joindre malheureusement. Merci à ces dames courage, merci pour la leçon de dignité qui nous administre tous les jours, pendant des années, maintenant on peut dire pendant des décennies, puisque certaines sont en train de revendiquer le droit à la vérité depuis une vingtaine d'années, sans discontinuer. Certaines se manifestent chaque semaine, elles, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, elles sont toujours là à réclamer la vérité sur leur chair disparue, pendant que les criminels, je pèse mes mots, les criminels qui les ont enlevés, qui les ont fait disparaître, sont tranquilles, entourés de la fiction des leurs, dans la quiétude des jours. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum, qawala khair, salam.